Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est Véronique Sanson. Véronique Sanson est une des rares femmes à être à la fois pianiste, auteur, compositeur et souvent productrice de ses albums. C'est sa deuxième victoire ce soir. Véronique Sanson. Merci. Très lourd. Oh, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. Je tremble et puis ça, vous ne pouvez pas savoir comment on a le cœur qui bat quand on attend. Écoutez, je voulais vous remercier de m'aimer. Et puis, je ne sais vraiment pas quoi dire. Je voudrais aussi remercier mon équipe, sans qui je ne serais pas là. Aussi, je serais peut-être là quand même, mais toute seule. Je voudrais remercier Bernard Saint-Paul. Et puis, Gilbert Goulier et Jean-Pierre Dombois, Hervé Leduc, enfin, je pourrais vous en citer des tonnes. Et ben, moi, je suis vachement émue et je sais même pas si je vais pouvoir jouer. Mais je vous aime beaucoup. Merci. Véronique Sanson, interprète féminine de l'année. Et je voulais aussi la dédier à Zazie et à Liane, qui est loin. Je la partage. Il n'y a que deux boules, mais on pourrait en couper une. Véronique Sanson, vous avez pu nous choisir une petite chanson? Quelques mots d'amour? Véronique Sanson, artiste féminine de l'année. Les cœurs, où les
si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. C'est quelques mots d'amour. Chanson, chanson de Michel, artiste féminine de l'année 95. On va lui déposer. On va lui déposer, Véronique Sanson. Elle s'accompagne évidemment au piano et à la basse. Les spécialistes ont reconnu Tony Bonfils qui est là, grand bassiste.